Après une longue période de sensibilisation de 2 semaines à l'endroit des occupants illégaux des abords de la piste d'atterrissage de l'aéroport Antonio Agostino Neto de Pau-Noir, l'administrateur maire du premier arrondissement, Emery Patrice Lumumba, est passé à l'acte pour mettre de l'ordre. La première citoyenne de Lumumba a procédé à une opération de déguerpissement de tous ses occupants conformément à la loi. Pour la gouverne des citoyens qui pensent que l'incivisme est une qualité, je dis ceci. La loi est implacable. Elle agit et frappe au moment où l'on s'y attend le moins. Nous avons adressé des notifications de mise en demeure aux occupants indélicats de la zone d'approche d'atterrissage de Baguette d'Or. Mais aucun d'entre eux a daigné se conformer à nos demandes. Nous n'avons pas le temps de ménager qui que ce soit. La loi doit s'appliquer. À la République de poursuivre son cours. Pour le délégué du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, les populations de la zone Baguette Nord et alentour sont obligées de libérer ces lieux pour des raisons de sécurité et sûreté aéroportuaire. Les riverains qui sont ici font la tête, que fois ils vont, que fois ils viennent. Alors donc nous, on a nos installations, des aides-nav. Après le déguerpissement, on doit sécuriser avec peut-être un poste avancé de la gendarmerie ou de la police. Le directeur de l'aéroport de Pau-Noir, pour sa part, pense que cette opération est salutaire pour le bien de tous. Cette zone était occupée de manière anarchique par les populations qui y développent aujourd'hui un certain nombre d'activités économiques. Donc, c'est une opération salvatrice pour l'aéroport. Donc, nous félicitons vraiment les équipes de la municipalité qui nous aident vraiment dans ce processus de certification de l'aéroport. Je crois qu'avec cette opération, nous allons pouvoir lever les dernières carences qui ont été observées lors des audits de certification de l'aéroport. L'administrateur du premier arrondissement Lumumba a par ailleurs appelé les populations concernées et indemnisées de ne plus réoccuper illégalement ces espaces qui appartiennent à l'État.